t'animes un gala, il y a tout le temps du monde qui sont pas sûrs s'ils veulent être là. Puis il y a personne qui tweetait à soir. J'ai pas vu personne envoyer de message texte. Ça, j'ai jamais catché. D'ailleurs, là, tu sais, le monde qui envoie des messages textes pendant un show, tu sais, t'es comme, hey, je suis au show de Mike Ward, c'est-tu bon? Je le sais pas, j'écoute pas, je suis en train d'envoyer un message. Oui. Oui. Jérémy de moi? Mike. J'avoue que c'est dérangeant. Les gens qui tweetent là, je suis plus capable de parler. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoutais en coulisses, puis je trouvais que t'avais raison. Fait que je suis venu t'appuyer, Mike. Mais non, tu regardes là, tu m'écoutais pas en coulisses. Non, non, c'est un sketch. T'as un micro, t'as. Oh? Oh. Non, regarde, ça marche plus les sketchs de même, là, de « Hey, par hasard, je t'écoutais en coulisses ». En plus, toi, t'as pas besoin de ça. T'es un Français, pour nous autres, t'es comme exotique. Tu sais, l'humour ethnique, ça, le monde trippe au bout de ça ici. Tu sais, Rachid, Sugar Sammy, Eddie King, ouais. Philip Bond, le monde... Philip Bond, c'est pas une ethnie, même. Ben oui, c'est un ethnie. Hey, il est tellement bronzé, il est rendu orange. C'est clair, son père a fourré une clémentine, c'est lui qui est sorti. Pourquoi t'es ici? Parce que Mike, en vrai, je te suis partout depuis à peu près 6 mois, puis au cas où t'aies besoin de moi. Voilà, c'est ça la vérité. Tu me suis partout? Je te suis partout. En régie, peux-tu montrer les photos? Check ça. Check. Photo suivante. Check. J'étais tellement heureux pour toi, je pense que je t'ai bandé, Mike. Suivant. Check. Là aussi, je t'ai bandé. Encore plus bandé qu'avant, Mike. Suivante pour le fun. OK, suivante. Ah. Là, je pense que c'est toi qui étais bandé, Mike. Non, regarde! C'est clairement du Photoshop. T'as tout le temps le même T-shirt. C'est quoi, ça? Mais quoi, c'est quoi ça, Mike? C'est un être humain, respecte-le, c'est-tu? Non, je sais, excuse-moi, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un grand expert en Photoshop, il vient de dire que c'est pas du Photoshop. C'est-tu du Photoshop? Bon! Non, hey, c'est un sketch, là! C'est un figurant, regarde, t'es-tu un figurant? Il parle pas, c'est clairement un figurant! Mike! Si c'était pas un figurant, pourquoi il parle pas? Parce qu'il est muet, Mike! Bravo de rire de son handicap! Bravo, monsieur! Viens là, mon petit chéri, viens là, c'est correct. Viens là. Non, hey! C'est de la merde, là! Allez, viens là, mon petit bébé, hein? Mike, t'as vu ce que tu fais à mon fils? Ok, c'est pas ton fils! Il a 6 ans de plus vieux que toi! Écoute pas, mon petit chéri, il est acquis! Arrête de rire de lui, Mike! Non, je ris pas de lui! Va voir mon nom, Mike. C'est con. Je veux pas faire de sketch. OK, fait que ce que tu me dis, c'est qu'en humour, les jokes clichés puis les petites personnes, c'est terminé. Ben, les jokes clichés, oui. J'en veux pas dans mon show. OK, bon, ben, les figurants, les amis, puis le monsieur qui fait semblant d'être régisseur, vous pouvez partir. Rentrez chez vous, il veut plus, c'est fini. Oui, allez-vous-en. Vas-tu? Je te l'avais dit qu'il savait comment parler, est-ce? OK, Mike. OK. T'avoue, c'était un sketch. Fait que du coup, je me suis préparé une petite déprésentation. Tu peux te présenter? Non, tais-toi. Mais, garde ça simple. Très simple. Okay. Check ça. Mesdames et messieurs, 6 pieds 5 de sensualité, le Français le plus adulé de l'histoire, c'était Jérémy! J'aimerais remercier tous les gens qui ont permis ce sketch possible. J'aimerais dire un grand merci à Juste pour rire qui m'a permis d'être là ce soir. Merci d'incarner les accommodements raisonnables. Merci. C'est toi. Merci, mon petit chéri. Merci beaucoup. J'aimerais demander aussi à Benny Jarod de venir me rejoindre. Arrête la musique. Allez-vous-en. Non, la fille en bikini va m'attendre dans la loge. Pis le cowboy aussi, dans l'oche. Ah ouais, moi, je vais payer un trip à soir, c'est comme un fantasme. Tu as un trip à 3, Mike? Non, à 2, la fille est juste là pour venir le nain, pas qu'il sauve. Hey, Jérémy Demey, applaudissez-le!